est aux yeux une petite review rapide de D5600, dernière caméra avec un sensor crop de Nikon. Alors il y a l'entrée pour micro, c'est aussi connecté par USB. Nikon a mis un code CFLOW en série D5000, alors nous reste pareil code SD, aussi il y a un HDMI type C pour être capable de projeter des images sur un external monitor. C'est aussi un petit bulb qui l'appelle pas Nikon et non. Vous êtes capable de focus quand faire noir. Vous avez un micro déjà dans l'appareil là qui est stéréo. Vous êtes sur Pro Live View, les juste à côté de votre dial, vous êtes sans mode. Il est vraiment pratique et assez rapide. Pareil, série 5000, c'est pas pour gagner des dials. Alors, une seule dial pas d'ailleurs, mais qui est vraiment responsive comme d'habitude. Nouveau série lens, série P de Nikon. Vous êtes capable de comparer avec série SDM Canon, que généralement c'est servi en stepping motors. Ça peut être un focus plus rapide et sans faire ta pause. Qui est super quand je te fais vidéo, ça pas affecte tes autres sons. Vous avez un sensor 24.2 mégapixels avec 39 autofocus points. Continuous focusing low vidéo mode marie bien. Il y a une cropped, alors ouais, it's expected. C'est aussi capable de faire vidéo 1080p à 60 fps. Et l'autre feature cool, c'est qu'il apparaît là en ISO 100 à 25600. Nikon est encore bien fier sur touchscreen comme d'habitude et Marie Advertiser. Ce touch focus et aussi ce touch snapshot. Moi, c'est tout ça, il focus et il tire photo en même temps. Il est vraiment rapide. À moins que vous ayez les doigts, moi, pas trop aussi facile de naviguer dans Band Settings avec touchscreen. Mais bon, capable Nikon pas améliorer ça après, qui connaît. SnapBridge vraiment intéressant. Mais Nikon a encore beaucoup pour faire pour perfectionner ça. Alors, mon service feature là, avec MOS 3 et mon Panga, aucun problème, connect, etc. Concernant l'option remote photographie dans l'application SnapBridge, je me trouve lié encore vraiment banal. Vous êtes pas capable, même sans option, de shutter speed, de aperture, de ISO, même pas capable, à pas de focus, pas capable de faire un là. Pour l'option remote photographie dans l'application SnapBridge, distance qui est capable d'être entre votre caméra et votre téléphone est raisonnable. Idéalement, ça a du monde qui peut servir SnapBridge, là, ça a du monde qui tient photo et transfère lié en place. Et aussi, comme on utilisait au commencement, l'appareil fait 1080p à 60fps, qui est une super feature d'un appareil crop. Alors, si vous êtes content de la vidéo là, premièrement, abonnez-vous à notre chaîne, aussi un like, pas trop mal, et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Merci, bye!